Coucou, j'espère que tu vas bien. Voici une guidance âme jumelle. J'aime bien dire âme jumelle parce que je suis passionnée par l'âme et son chemin. Et la flamme, ça brûle un petit peu quand même. J'aime pas ce qui brûle. Allez, on y va. Pour les âmes jumelles ou flammes jumelles, prends la terminologie qui te convient. Et on y va. Ok. Ah, il est temps, sacré féminin, d'être... On voit que tu es appelée à t'élever et à révéler qui tu es, à révéler cette grande prêtresse que tu es, et notamment à révéler ton leadership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande au sacré féminin, mais puisqu'on est dans le duo des âmes aussi, là j'ai la prêtresse, donc on est vraiment sur le sacré féminin ici, le féminin sacré, d'incarner pleinement ce féminin sacré. Hein? Carrément, pleinement, ici. On va aller la voir, cette prêtresse. En fait, la question qui était ici, hein, écrite, c'est comment est-ce que tu es appelée à t'élever et à révéler ton leadership? Et c'est peut-être même le fait de te de révéler ce leadership, en fait, qui t'élève. Hein. Là... Le leadership, c'est vraiment montrer l'exemple. C'est être l'exemple. C'est être vraiment un leader inspirant. C'est une enseignante, la prêtresse. Elle est au service des autres, elle est au service de la liberté. Là, on appelle très clairement au féminin de prendre sa place. Hein. Donc, dans les duos d'âmes jumelles, ou de flammes jumelles, bon, je ne vais pas le lire à chaque fois, eh bien... Il y a vraiment le féminin, mais même la polarité à l'intérieur, hein, qui demande à se révéler, qui doit pousser à l'intérieur du duo, mais aussi en chacun d'eux, et chez le sacré féminin, et chez le sacré masculin. Et en fait, on te dit d'être ce leader-là maintenant, en fait, hein. De pas attendre d'être parfaite pour être ce leader. Alors, si t'es un homme, ça peut te parler aussi. Hein? Parfaite ou parfait, c'est maintenant en fait. Hein? T'es parfait ou t'es parfaite comme tu es là maintenant. Et regarde en fait comment tu es leader dans ta vie. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on demande au duo là. Là, maintenant, en fait, on leur dit que là, ce qu'ils ont accompli maintenant jusque-là est inspirant pour les autres. Et donc, on te dit, ne sous-estime pas le pouvoir de partager ton histoire. Et c'est en entendant l'histoire de quelqu'un d'autre, et moi, ça me parle énormément, tout ça, que déjà, tu te sens moins seule, te dit Rebecca Campbell, dans La Voix des Artisans de Lumière. Hein. Que tu éclaires, tu permets en fait à quelqu'un d'autre aussi de partager son histoire, d'éclairer un chemin et d'inspirer les autres aussi. Ça me fait penser du coup au poème de Marianne Williamson, qui est vraiment magnifique, et qui dit que nous avons peur de notre propre lumière, et que justement ne pas rayonner, ne pas la montrer au monde, eh bien, ne sert personne, en fait. Parce que quand tu brilles, quand tu montres ta lumière au monde, tu permets à d'autres de faire de même. C'est ça qu'elle dit, Marianne Williamson. Ça revient vraiment à ça, en fait. Alors, le leader, c'est sûr qu'il y a une notion de courage. Il a le courage, l'énergie d'être devant en premier. Voilà, c'est lui qui est devant, qui est en premier. Il va au front en premier aussi, hein. Souvent, il a cette possibilité, il a une vision aussi, il a une vision qui est claire, et puis souvent, il voit avant les autres, en fait. Et il va prendre le chemin jamais emprunté par quiconque, également. Voilà. Et là, en fait, on te dit de même si t'as personne derrière, en fait... On te dit ici, l'oracle il te dit que même si tu as t'as pas ta communauté, t'as pas ta tribu, vas-y quand même. T'inquiète pas pour ça,
Vas-y, avant, fais le premier pas, montre-toi. C'est ça que ça veut dire. Tu vas éclairer en fait un chemin et tu vas permettre à d'autres de prendre, d'emprunter ce chemin. Alors t'inquiète pas, il y en a d'autres qui vont suivre derrière. Ne te focalise pas voilà, sur ça, ni sur le comment, ni sur qui seront ces personnes. Alors ça me fait penser du coup à des personnes qui voudraient créer leur activité en libéral et qui savent pas en fait si voilà, ça va fonctionner, si elles vont pouvoir offrir leur service à des personnes, si des personnes vont avoir besoin de leur service, tu vois, ça peut parler de ça aussi. Un service ou un produit, hein. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand tu fais ça, tu vas te focaliser sur, comme on dit, le persona ou l'avatar, c'est-à-dire à qui tu veux vendre ton service ou ton produit. Donc, c'est-à-dire penser à l'âge, ce que fait la personne, son revenu, s'il a des enfants ou pas, s'il est célibataire ou pas. On te dit de ne pas te poser la question sur ça, en fait. Il s'agit de créer quelque chose d'inspiré. Et si tu te sens vraiment appelé, voilà, à créer quelque chose, à diriger quelque chose, eh bien en fait c'est que c'est maintenant. Et quand tu as cette aspiration-là, c'est que quelque part tu as d'autres personnes qui aspirent exactement à recevoir aussi ta guidance, ta lumière. Et à te suivre. Tu sais, quand c'est comme quand on dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc ne t'inquiète pas en fait de tout ça, du comment. Ça va se faire. Si tu ressens cet appel au fond de toi, parce que quelque part c'est un appel de l'âme aussi, hein, à prendre cette voie-là. Si tu sens que ça pousse, bah vas-y, fais le premier pas. On te dit que tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit, en fait. Pour être ce leader inspirant, il y a juste une question de courage. Voilà, il faut du courage. On te dit de tout embrasser. Voilà. D'accueillir, en fait, d'accueillir tout chez toi. Les moments où tu te sens bien, les moments où tu te sens pas bien du tout. D'accueillir les choix que tu fais, de t'accueillir en entier, toutes les parties de toi, tout ce que tu vis, les cadeaux que tu reçois, les difficultés aussi. Voilà, ici on te dit que tu n'as pas besoin de connaître le chemin. On te dit juste de croire qu'il existe et même d'être convaincu qu'il est là, le chemin. Ce chemin, il est là pour toi. Il t'attend en fait. Ta communauté t'attend aussi. Et on te dit d'avancer pour qu'elle puisse te trouver. Je trouve ça, mais magnifique. Alors voilà, la question c'est celle-là. Comment es-tu appelé à t'élever et à révéler ton leadership? Comment peux-tu devenir le leader que tu souhaites avoir toi-même? Parce que c'est ça en fait, c'est être le leader que tu voudrais avoir toi-même. Ce mentor, ce professeur, voilà, tu peux le... Ce maître, moi ça me fait penser vraiment à la relation de maître à disciple, hein, dans les arts martiaux, dans les enseignements bouddhistes. C'est vraiment le professeur, il est devant et c'est vraiment, il enseigne par l'exemple, c'est ça. Hein. Voilà. Allez, on prend le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est parti. On va garder notre grande prêtresse à côté. On va voir quel est le message, mais voilà, dans les duos d'âmes jumelles, ce que l'appel qu'il y a, hein, mais chez les hommes aussi, la grande prêtresse, hein, c'est laisser cette énergie féminine, pour ceux qui seraient plus dans l'énergie masculine, voilà, leur montrer la voie. Bon, déjà, t'as vu ce qui vient de sortir, hein. En ce moment, quand je fais des tirages comme ça pour les âmes jumelles, que ce soit en guidance personnelle
ou alors général. Parce que des fois je fais des guidances aussi, mais je les publie pas. Hein. Eh bien, on a cette notion-là d'entourage toxique au milieu, au centre, tout le temps. C'est-à-dire que qui entraîne un retard dans la transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore à s'affirmer. Il y a encore à s'affirmer. Et si je regarde la carte ici du temps de la spiritualité, c'est à s'affirmer et à... Et à devenir qui tu es, en fait. Hein. Donc, du coup, ça rejoint la grande prêtresse qui est là. Hein. Voilà, ça rejoint ce que je viens de dire. Il est temps de te révéler, parce que sinon, en fait, tu bloques. Ce que je ressens, c'est ça. Sinon, il y a... comme si le chemin, il y a un retard, il y a un blocage. Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais il y a cette notion-là. Parce que là, le petit sujet, il nous en parle. Donc, c'est tant qu'il y a un manque d'affirmation chez l'un ou chez l'autre, chez le sacré féminin ou chez le sacré masculin, eh bien, ça ralentit le processus, quoi. Transformation avec retard, avec Via. Via, c'est le mois de juillet. Ça, c'est une personne toxique. Hein. Toxique, c'est Juno, elle s'est transformée en grand-mère et... elle est là pour détruire, en fait. Hein. Là, on a quelqu'un de vulnérable, d'innocent, qui voit pas la personne perfide ici, manipulatrice, menteuse aussi, qui est en face d'elle. Oh là 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 là. Eh bien, il est question, là, de faire face à l'ombre. On a une femme. La dame de carreau, c'est une femme qui est jalouse, dépendante, obsessionnelle, et le petit sujet qui est tourné vers le centre nous parle d'un serpent. Le serpent, c'est la méchanceté. Ici, ça, ce petit sujet nous parle de méchanceté. Donc, il y a vraiment une notion de s'affirmer. Alors, l'affirmation, là, elle peut se faire face à une mère toxique. Ça me parle beaucoup de ça, là, très clairement. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à... Voilà. À aller voir. Face aussi, ça peut être une grand-mère, ça peut être une ex-femme aussi également, pour messieurs. Hein? Là, je parle du duo, donc ça peut très autant te parler toi en tant qu'homme ou toi en tant que femme. Hein? Que tu sois un homme ou une femme ici. Là, c'est pour le duo. Oh là là, oui. Ah ben dis donc, c'est rare que j'ai quatre cartes comme ça quand même. Oui, il y a le message ici pour le duo, c'est vraiment, allez, il faut se sortir, s'éloigner des personnes toxiques. Et là, la personne toxique, c'est pas si simple que... 1, 2, 3, pardon, ce n'est pas si simple que ça. Ça me semble être une personne qui est vraiment proche, quelque chose d'assez complexe, et du coup ça pourrait très bien être une maman. Alors ça peut être aussi une ex-compagne, que tu sois un homme ou une femme, ça peut être une ex-compagne aussi également, ça peut être la mère de tes enfants également. Alors cette personne, elle est jalouse, hein, elle est jalouse, menteuse, manipulatrice, elle crée toujours des problèmes. Cette personne, elle crée des calomnies. Elle calomnie beaucoup. Hein. C'est des pia-pia-pia, des cancans, voilà, des bavardages non-stop. C'est diviser pour mieux régner. Et c'est quelqu'un qui peut se montrer comme étant fragile. Tu vois, Juno, elle se transforme en grand-mère. La petite grand-mère, elle est fragile, elle est faible. Alors qu'en fait, elle ne l'est pas du tout. Hein. On peut avoir quelqu'un qui se présente comme doux, comme un peu faible, alors que ça, c'est pas du tout le cas. Du tout, du tout. Et ça, ici, c'est pour ça qu'on disait, allez, il est temps de te révéler, là. Allez, révèle-toi, prends ta place. Prends cette place, montre, raconte ton histoire.
Ton histoire inspirera d'autres personnes. Il y a beaucoup de... En guidance personnelle, je peux le voir, il y a beaucoup de femmes qui ont des conflits avec leur maman. C'est quelque chose qui revient. Il y a peut-être quelque chose à aller voir là-dedans, qui est assez fréquent. Je ne sais plus qui a écrit ça. Est-ce que c'est Paul Salomon? Je ne sais plus. C'est à vérifier, hein. Mais c'est Murphy, une relation à trois. Est-ce que je peux te trouver ça? Je vais regarder. On va chercher ça. Murphy, une relation à trois. C'est quelque chose que j'ai lu il y a très longtemps, qui est vraiment exceptionnel, qui montre la complexité de la relation mère-fille. C'est qui a écrit ça? Non, c'est Caroline Eliashev. C'est pas Paul Salomon du tout. Alors, c'est Caroline Eliashev et Nathalie Heinisch. Mère-fille, une relation à trois chez Albin Michel. Bon, ça a peut-être été édité ailleurs. Je pense qu'en livre de poche, tu dois le trouver aussi. Ouais. Et donc, là, ça parle de ça. C'est pas évident, hein, effectivement, mais si, de mettre à distance la maman quand elle est toxique pour que tu puisses te révéler. Et là, du coup, visiblement, ce serait quelque chose qui bloquerait beaucoup l'évolution des duos. Alors, ça peut être aussi la relation mère-fils, hein. Une mère qui bloque complètement, qui empêche son fils d'avancer. Souvent, elles peuvent se poser en victime, les mamans. Hein. Il y a aussi le livre, hein, Mère toxique, également. Et là, Mère toxique, allez, on fait une petite bibliographie. Les mères toxiques, c'est de Terry. Il y en a plusieurs, en fait. Il y en a plusieurs. Ah mince. Ah bah il y en a plusieurs. Il y a parents toxiques. Comment échapper à leur emprise. Et mères toxiques. Les mères toxiques de Terry Apter. Les comprendre pour se libérer de leur emprise et ne pas reproduire les mêmes schémas. Et il y a les mères toxiques de Peg Strip. 8 profils et les stratégies pour s'en libérer. Alors moi, celui que je connais, c'est les comprendre pour se libérer de leur emprise et ne pas reproduire les mêmes schémas. Il me semble qu'il y en avait d'autres, hein, mais... Ça a été, depuis le temps, c'est fou parce qu'en une quinzaine d'années, c'est incroyable la littérature qui en est sortie. Comme quoi les choses avancent et bougent. Hein. Mais voilà, ça semblerait être un point vraiment important dans le duo des âmes jumelles ici, justement, à aller voir. Il y a une notion de... Oui, parce que sinon, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse, qui est très très fort ici. C'est-à-dire que là, on n'a que du pic. Donc, ce serait peut-être une étape, une nouvelle étape, là, importante aujourd'hui, à se libérer. Vraiment. Alors, ça peut être une mère, une éducatrice, une ancienne compagne toxique ou une compagne toxique. Voilà, enfin j'ai essayé de te dire. Alors en général, la dame de carreau, c'est une dame d'un certain âge, hein, d'accord? Voilà. Surtout avec Junon qui s'est transformée en grand-mère, c'est pour ça que je pensais. J'avais vraiment l'énergie d'une mère. Mais toi, si ça te parle autrement, ça peut complètement être autre chose. Hein. Donc les pics, c'est les obstacles à dépasser. Hein. Donc il y a des actions aussi à mettre en place pour pouvoir dépasser ces obstacles-là. Hein. Comme faire une thérapie ou se faire accompagner, peu importe l'outil en fait qui est utilisé, hein, dans tous les cas. Mais il y a une notion de déception qui est très forte là. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en train justement d'avoir des prises de conscience, la prise de conscience d'une,
de quelque chose de faux, d'une tromperie, d'une illusion, ici avec le cheval de Troie aussi, hein, également, et donc qui entraîne avec la constellation qui est ici, c'est, bah oui, c'est la constellation du serpent, tu vois, on l'a deux fois le serpent là, ici, on a la constellation du serpent là, c'est aussi l'énergie vitale, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on est face à une personne qui te pompe ton énergie vitale, qui t'empêche, en fait, de te sentir bien, d'être heureuse et d'avancer dans ton duo, de faire avancer le duo d'âmes jumelles aussi. Là, aujourd'hui, en fait, on est très dans, voilà, qu'est-ce qui bloque? Ce qui crée beaucoup de souffrance morale, attention au ressentiment avec le langage floral ici, avec Yves Koa et Pavot aussi. Hein. Donc attention à l'innocence. Des fois, il y a une forme de déni qui empêche aussi de voir les choses. Et du coup, qui fait que bah, tu te retrouves dans une illusion. Et là, on te demande de lever le voile. De faire force, en fait, d'utiliser la volonté, l'autorité ici. Hein. C'est vraiment l'affirmation, là, tu vois, avec le talisman de Jupiter. Vraiment. Il y a cette notion-là. Là, ça suffit. Hein. C'est la carte du droit du fort sur le faible. C'est-à-dire que le fort peut devenir faible et le faible peut devenir fort ici. Hein. C'est de ça aussi dont il s'agit. Voilà. Je pense qu'il y en a, il y a une sorte de fatalité ici qui s'est produite. Un événement qui s'est produit et qui... voilà, à cause d'une autre personne. Parce que ça, c'est la fatalité. Donc, qui a pu entraîner vraiment la fin hein, d'une relation, une séparation. Mais ça montre, c'est beaucoup plus que ça là, c'est, pour moi c'est beaucoup plus que ça. Ici, tout le jeu, il te montre en fait, c'est une vie sentimentale marquée de rupture. Voilà. Très clairement. Et cette vie sentimentale marquée de rupture, elle, pourquoi? Parce qu'il y a un schéma répétitif qui s'est fait et il y a eu vraiment, bah, voilà, suite à voilà, peut-être une relation avec la mère qui a empêché que justement aussi les relations soient puissent se faire, puissent évoluer dans l'harmonie. Donc ici, dans ce duo d'âme, on te dit de ne pas répéter le même schéma. C'est vraiment très étonnant parce qu'en ce moment, ben je vis pas du tout les guidances de la même manière. Enfin, les messages ont... C'est pas que les messages ont changé, mais c'est la lecture est complètement différente, quoi. Et je pensais pas que ce serait possible d'avoir ce type de lecture avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, tu vois. Allez, on va aller voir le masculin. Là, c'est pour les personnes qui seront restées... à écouter plus longtemps jusqu'au bout de la vidéo. Donc ça, c'était pour le duo, c'est-à-dire que ce dont je t'ai parlé est autant pour le sacré masculin que le sacré féminin. Allez, sacré masculin. Oh, regarde, petite pirouette. Voilà. Eh bien, le sacré masculin, il est à l'étape, il arrive à la fin de l'œuvre noire, la matière devenue pierre. Hein, ce qui est bien, ce qui est intéressant. Oh oui, puis il est en pleine réflexion sur la suite des événements. Il y a une énergie sur le sacré masculin qui est vraiment sympathique. Hein, et effectivement, voilà, on parle de trauma, de blocage. Donc ce qui a été dit avant peut tout à fait vraiment te parler, sacré masculin, effectivement. Laisse les blessures du passé. Là, les blocages, les blessures du passé, elles doivent rester dans le passé. Hein, les traumas du passé doivent rester dans le passé. On voit qu'il y a vraiment une transformation qui est en train de se faire. Dans tous les cas, une amélioration de position avec la carte qui est au centre ici. Les choses, elles peuvent vraiment évoluer. Voilà. On voit bien qu'il y a un changement qui arrive, qui va amener des joies, des plaisirs. Mais il y a une inquiétude. Là, il étudie la question. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il est en train d'étudier, le sacré masculin, mais qui peut l'angoisser un petit peu. En tout cas,
Il l'étudie très sérieusement. Il sait que ça l'emmène vers des joies, des plaisirs, mais ça demande étude. Pourquoi? Parce qu'en fait, les traumas du passé, eh bien, viennent créer un blocage et du coup, il ne veut pas recommencer, il ne veut pas, voilà, répéter, reproduire. Je vais trouver mes mots, hein, la même chose. C'est vraiment ça. Ici, donc, aussi un manque de confiance. Hein. C'est justement ce trauma-là, cette blessure profonde, en plein cœur, qui date, qui est profonde, qui date, ici, qui l'empêche d'avoir confiance en lui. Et en fait, très clairement, on lui dit que c'est le manque de confiance en lui, le manque d'affirmation et d'estime de lui-même qui fait que ce qui ne permet pas un épanouissement de la relation. Du coup, il peut se sentir seul, le sacré masculin. Là, il y a une solitude plus ou moins légère qui est de toute façon pas agréable. On lui dit qu'elle est pénible à supporter on dit qu'elle est pénible à supporter cette solitude, qu'elle soit légère ou non. Parce que pour certains, c'est une grande solitude, pour d'autres, c'est pas une si grande solitude que ça. Mais quelle qu'elle soit, peu importe, elle est douloureuse. Il y a vraiment, parce que en fait, les attentes affectives, elles sont pas comblées, en fait. Voilà, il n'y a pas un épanouissement, il n'y a pas de joie. Et en fait, on te dit, sacré masculin, que c'est ton manque de confiance en toi qui ne permet pas l'épanouissement de la relation. Et cette confiance en soi, bah, vient de loin. Et effectivement, on peut mettre en lien, si ça t'a parlé avant, sur justement la mère toxique dont je parlais, ou la compagne toxique. Hein? Parce que ça crée un blocage là. L'homme qui part à la chasse là, c'est vraiment la notion de blocage. Le centaure Chiron qui meurt, il est blessé par une flèche, c'est un trauma. Hein? Et vraiment, le 5 de pique, c'est la fatigue, c'est la peine. C'est vraiment ça. Donc en fait, là, on a un trauma. Ça nous montre une solitude vraiment de cœur, à solitude affective là sur les deux sujets ici. Hein. Il y a une solitude physique aussi. On dit au sacré masculin de ne pas se replier sur lui-même. Hein, que la situation, elle peut s'améliorer et que la communication peut de nouveau être plus facile. Et oui, parce que, en fait, je prends ça. Hop, je regarde ça là, comme ça. Et là, eh bien, effectivement, le grand sujet ici est important. Il fait partie du thème du mariage. Hein, et bien sûr, c'est le thème de l'alchimie, c'est le groupe du mariage. Je les confonds à chaque fois. Mais on est dans les étapes alchimiques. On te dit qu'ici, les événements progressent lentement, mais très sûrement. Comme l'alchimiste, il est confiant. Et on dit que tu seras toujours récompensé de tes efforts et ta volonté. Volonté. On a vu tout à l'heure avec Jupiter qu'il était question de faire preuve de volonté. Hein, que c'était important de faire preuve de volonté ici. Donc grâce à la volonté et tes efforts, peut-être que parfois il serait temps intérieurement de taper le poing sur la table. C'est une image, c'est intérieur. D'avoir une décision ferme à l'intérieur pour que les choses évoluent et avancent. La lettre V, elle nous parle d'inspiration, et je te parlais d'inspiration, de te laisser inspirer aussi. On l'a vu tout à l'heure, au tout début de la guidance avec la prêtresse, hein, qui te disait de révéler vraiment qui tu es et d'être ce leader inspirant, et que ton histoire, elle est précieuse, parce qu'elle peut inspirer les autres aussi, tu vois. Donc, la lettre V nous parle d'inspiration et tout ça permet une construction, une maîtrise. En tout cas, il est question de joie, de surprise pour le sacré masculin ici. On dit que les sentiments sont profonds, sont honnêtes, hein, qu'il y a une harmonie, il y a la recherche de l'harmonie affective. Le sacré masculin, il a cette recherche de l'harmonie affective.
quelle qu'elle soit, hein, que ce soit sentimentale, familiale ou relationnelle. Et on dit justement que oui, en ayant confiance en toi, sacré masculin, tes doutes, tes incertitudes seront derrière. Hein, et l'harmonie et le bonheur seront là. On voit qu'il y a une légère passivité hein, chez le sacré masculin là. Voilà. Mais néanmoins, ça progresse lentement mais sûrement. Je vais prendre une quatrième carte pour la conclusion sur la constellation. J'aime bien faire ça. Voilà, ça c'est un paquet, on va prendre un paquet. Ah oui. Ben regarde. Celle-là. Vous lui restez dans mes mains. Eh bien là, tu as la plus belle carte en matière de protection. Hein. Le 4 de carreau, c'est vraiment la carte de la protection. C'est la chance, même les grandes chances. La prospérité. Bon, on a un missio. On peut voir qu'il y a une séparation, une mise en distanciation. Tu peux être en séparation tout en étant sous le même toit. Hein. Hein, quand deux personnes sont sous le même toit, qu'elles ne se parlent pas, qu'elles s'ignorent, elles sont en séparation. Hein. Quand il y en a deux qui cohabitent. Et des fois, cette mise en distance, elle est importante. Ici, on te montre qu'elle est importante parce qu'elle permet la progression. Il y a une progression. Où est-ce que je t'ai dit ça? Oui, c'est là, c'est que la synthèse du 3 de trèfle, ici, de cette carte, c'est qu'il y a une progression lente, mais sûre, régulière, voilà, lente, mais régulière, c'était ça. Hein? Il y a une question de volonté récompensée aussi avec l'ensemble floral qui est ici, on a le saponaire, le lilas blanc et le saule. Hein? Et vraiment, on a les iades qui forment un V dans la constellation des taureaux. Donc le taureau, c'est au mois d'avril-mai, mois de mai surtout. Ça nous parle de bonnes inspirations. Donc il y a quelque chose qui va s'ouvrir là, au printemps. Hein? Plutôt à la fin du mois prochain, quoi, en taureau. Et mois de mai. Voilà, mais en tout cas, il est question vraiment de bonne protection et de chance et de providence, du coup, avec notre carte du 4 de carreau et avec la constellation du cygne. Et le cygne est un animal emblème des âmes jumelles. Et bien sûr, ça peut passer par la perte dans différents domaines avec Amicio ici. Amicio est relié au mois de septembre. Mais des fois, cette perte, elle est due à trop d'obstination aussi. À un moment donné, si tu veux que les choses, elles bougent, eh bien, il faut cesser de toujours faire la même chose ou avoir toujours le même fonctionnement parce que ça ne changera pas, ça ne peut pas changer. La situation que tu crées ne peut pas changer avec la même... je vais m'y reprendre. La situation que tu vis et qui est désagréable ne peut pas changer avec la même énergie avec laquelle elle a été créée. Voilà. En tout cas, tu seras protégé. Et on voit qu'il y a du monde autour du sacré masculin, donc vraiment de la famille, des proches, des amis qui sont là pour apporter leur soutien, avec beaucoup de sympathie, hein, beaucoup d'affection. Voilà. Alors, fais-toi confiance, sacré masculin. Fais-toi confiance. Et le sacré féminin, moi, je te fais une guidance longue. Il en est où? On a vu avec la grande prêtresse, eh bien regarde. Alors c'est intéressant parce que on avait la première carte du sacré. Le sacré masculin, c'était le 3 de trèfle, donc c'était l'œuvre au noir. Hein. Bon, tu reviendras dessus, je cherche la carte, mais je ne la trouve pas. Là, on n'est pas loin de l'œuvre au rouge. Hein. On est avant l'alchimiste ici. Il verse le dissolvant dans la lampe philosophique. Après qu'il y ait eu une calcification, une putréfaction, une dissolution de la matière qui est devenue pierre. Et donc, il vient fixer le résultat.
qui a été obtenu pour pouvoir aller plus loin et avoir la chance de voir apparaître la pierre philosophale. Et cette étape est très importante. Et là, on va te parler de nouvelles. Alors ici, c'est aussi les états, c'est l'état de vie, les pensées du sacré féminin aussi avec le 7 de cœur ici. Et donc, la constellation nous parle de nouvelles rencontres, hein. C'est la constellation du sextant. On nous parle de sympathie, d'amitié ici avec les fleurs, le personnage, le dahlia et le liseron. Comme ça, quand tu vois ces petites fleurs, hein, il est question de choses plutôt agréables, de sentiments agréables, puisque le langage floral nous parle aussi beaucoup des sentiments. Tout comme la constellation va nous parler de voyage. S'il y a un voyage à faire pour voir comment va se dérouler le voyage, on va regarder la constellation. Voilà. Et ça, c'est ce que j'indique dans la formation du Grand Jeu Mademoiselle Lenormand, qui est toujours en cours. Hein. J'avance. Il ne me reste plus beaucoup de cartes à expliquer. 52 cartes avec tout ce que tu vois là, tu vois, ça fait beaucoup, hein, parce qu'on explique la cartomancie, la constellation, la lettre, la géomancie quand elle est là, le grand sujet, petit sujet de droite et de gauche, et les fleurs, donc ça fait énorme, c'est énorme. Et donc j'indique cela. Je reviens à mes moutons, il est question d'efforts. Ici, le sacré féminin fait vraiment des efforts, mais... dans le duo d'âme jumelle, on voit que vraiment elle a ce désir d'avancer, ce désir d'y arriver. Il y a cette passion avec Rubéus ici. Et c'est maintenant, c'est le mois de mars. Rubéus, c'est le mois de mars, c'est maintenant. On dit au sacré féminin de faire attention. Et ça, je l'ai retrouvé aussi à plusieurs reprises. Attention à se reposer parce qu'un petit surmenage est tout à fait possible. Donc attention, évite le burn-out. Repose-toi. Je le prends pour moi aussi, pour le coup. On a sacré féminin ici qui est dans sa pleine créativité, expression, ça rejoint la prêtresse du début de la guidance. Il est question de se créer et on te dit que tu es parfaite telle que tu es toi, ne cherche pas à ressembler à quelqu'un, on te parle d'originalité aussi. Donc on voit vraiment... il y a quelque chose de très fort au niveau de la vie sentimentale du sacré féminin ici. On parle de beaucoup de surprises, de rencontres, de visites agréables. Ça a bougé pour le sacré féminin. Voilà, on a vu que le sacré masculin il avait besoin d'avoir confiance en lui pour permettre l'épanouissement de la relation. On a vu que ce manque de confiance était dû à un trauma du passé. Mais qu'il avait autour de lui vraiment beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie, et là aussi son sacré féminin. Et le sacré féminin, eh bien on lui parle aussi qu'il y a du mouvement autour d'elle, il y a des visites, il y a des surprises, il y a des visites agréables, donc on a le sacré masculin et le sacré féminin qui vont finir peut-être avec les beaux jours par vraiment voilà, se donner des nouvelles, se rejoindre, et même si vous êtes sous le même toit, avoir peut-être une relation, on l'a vu avec le sacré masculin, qui se transforme, qui se transmute, hein, ici. Il y a des étapes. Donc sacré masculin est plutôt au début, à la fin de la première étape. Les couleurs vont se... Le noir va donner naissance aux couleurs, hein, il est à l'œuvre au noir. Le sacré féminin ici se trouve avant l'œuvre rouge, avant l'apparition de la pierre philosophale. Et donc, ouais, c'est ça. Il y avait du bruit à la maison, je me demande ce qui se passe. Je crois que c'est un chat qui passe. Et ce chat marque son territoire chez nous. Et j'ai une petite minette, mais elle le laisse faire. Donc, mon fils chasse le chat. Voilà, tu vois, la guidance est authentique. Hein. Je dis ce qui se passe chez moi. Donc, ici, on t'annonce sacré féminin. Et des lettres, des messages. On sait que tu as envie d'en avoir aussi. Et tout ça, en fait, ça se rapporte aussi bien au domaine affectif que professionnel. Hein. Voilà, mais tu arrives à la fin d'une étape importante et ce moment est très important. Là. C'est l'œuvre rouge. On est vraiment dans... Oh oui, elle est belle, le sacré féminin. Là, ici, douce, qualité de cœur pure,
des intentions pures, une belle lumière, tu vois, voilà, la prêtresse, hein, hop. Là, on peut avoir l'énergie de Marie ou de Marie-Madeleine ici. C'est ça, c'est vraiment, il n'est pas question de domination là. C'est laisser ta lumière irradier à l'intérieur de toi et la laisser irradier de l'intérieur vers l'extérieur à travers tous les pores de ta peau. Tu peux l'imaginer que tu brilles tel un soleil, hein, à travers tous les pores de ta peau. D'abord tes cellules, elles brillent et hop, tu es tel un phare dans la nuit. Voilà. On retrouve encore Junon, là, nous casse les pieds, Junon. J'ai du mal avec Junon, parce que, bon, en même temps, j'ai beaucoup de compassion pour Junon. Parce qu'en fait, c'est la compagne de la femme de Jupiter, et Jupiter est un dieu volage. En plus, il arrête pas, il aime bien se déguiser, Jupiter aussi. Et Junon, bah, elle est un peu jalouse et pas contente, parce que, justement, Jupiter, il a d'autres femmes. Donc ça lui plaît pas trop. Et Junon, bah, on la retrouve dans le cadre de Pique, hein, comme étant une personne toxique, perfide. C'est pour ça que j'aime pas trop. Mais là, en fait, elle apporte bizarrement son soutien, son conseil, comme quoi elle n'est pas... Voilà. Finalement, ça nous montre que les personnes qui font le mal sont celles qui souffrent le plus. Voilà. Donc... Alors, c'est pas Junon. Ouais, elle ressemble beaucoup à Junon. Non, je me suis trompée. Mais n'empêche que, voilà, j'en arrive à te dire ça. C'est pas un hasard. Oui, les personnes qui souffrent le plus. Enfin, qui sont méchantes comme ça sont souvent celles qui souffrent beaucoup. Donc là, on a la déesse de la grossesse. C'est pas Junon. Il y a une notion de grossesse ici, bien sûr, de fécondité avec la carte, avec notre enfant sur le bouc qui est là. Et ben elle est là, elle est à l'écoute, la déesse de la grossesse. Peut-être qu'il y a eu des fausses couches aussi chez le sacré féminin. Moi, je ne sais pas, j'entends ça, donc c'est tout à fait possible. Ou des difficultés à concevoir un enfant. Donc, il y a vraiment de la tristesse qui est là. Et donc, la déesse de la grossesse, elle écoute, elle conseille, elle console. Donc, il y a vraiment le sacré féminin a pu retrouver un nouvel équilibre. Suite à des moments difficiles aussi, c'est pas forcément qu'une grossesse, hein, c'est aussi une situation difficile, compliquée, qui a fait que le sacré féminin s'est retrouvé mis à nu, vulnérable, et... Mais bon, c'était le chemin à suivre ici, hein, ça lui a permis de se découvrir elle-même, d'aller plus loin dans la connaissance d'elle-même, et c'est cette phase difficile, extrêmement douloureuse, qui l'a rendue vulnérable, qui lui permet justement d'être à cette étape importante juste avant l'œuvre rouge, hein, qu'on est à la fin. Elle a beaucoup avancé, le sacré féminin, le sacré masculin aussi, il enclenche quelque chose de nouveau, on l'a vu, avec la fin de l'œuvre noire. Et alors, ça ne veut pas dire que tu as un masculin qui est moins avancé qu'un féminin. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Attention. On pourrait en conclure ça, mais non, c'est pas le cas. C'est que là où ils en sont tous les deux, permet au duo d'avancer. Et il y a beaucoup de mise en lumière, en fait, chez le sacré féminin. Hein. Beaucoup de conscientisation, de compréhension, de compassion sur ce qu'elle vit, sur son chemin à elle, qui permet justement au masculin, du coup, eh bien, on l'a vu, de transformer tel l'alchimiste, le noir en couleur et les couleurs en blanc, c'est-à-dire d'amener son masculin vers les prises de conscience, à faire des prises de conscience, à conscientiser. Les étapes alchimiques, c'est l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Le noir donne naissance aux couleurs, les couleurs se fondent, elles donnent naissance ensuite au blanc, donc l'œuvre au blanc, à l'albédo, et c'est l'illumination intérieure, la prise de conscience, la conscientisation. Voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas, si j'ai été un petit peu plus vite. Voilà, donc là, faut pas penser
au passé, avoir des regrets ou être mélancolique ou avoir de la rancœur ou de l'amertume. C'est ce qu'elle te dit, cette carte-là. Hein? C'est important de se libérer de certains conflits intérieurs et du passé pour retrouver le bonheur affectif, l'équilibre affectif, l'épanouissement. Et donc, on revient au début de la guidance avec cette femme, en fait, toxique, que ce soit une mère ou que ce soit une compagne. Là, c'est le temps d'une transformation de tout ça, d'une transmutation. On l'a vu, on a un alchimiste sur le sacré féminin, un alchimiste sur le sacré masculin aussi. Voilà. Donc, pour les deux, il est temps de transmuter ces conflits intérieurs, ces blessures. Hein? Le noir devient la lumière. Et donc, le sacré féminin, elle va... elle s'est retrouvée dans une sorte de solitude, d'isolement, d'un profond sentiment. Peut-être elle ne s'est pas sentie comprise. Il y a eu un gros manque de communication et elle a dû se replier sur elle-même. Mais ce repli sur elle-même lui a permis finalement de naître à elle-même. Et voilà la carte de la fécondité. Et ici, devenir en connexion avec son âme. Vraiment, là, on a Astrée hein, qui est sur un nuage. Et tu vois, c'est intéressant parce que Jupiter lui montre sa place dans le ciel. Il lui dit, tu vois, tu as ta place dans le ciel, Astrée. Et donc là, en tant que grande prêtresse, tu as ta place, sacré féminin. Alors là, on demande au féminin de prendre sa place, très clairement, dans toute cette guidance-là. Non, c'est vraiment chouette. Je fais une guidance extrêmement longue, ça faisait longtemps. Du coup, je prends plus de plaisir à faire des guidances plus longues quand j'en fais moins. Je peux retrouver mes petites guidances sur Instagram aussi. Alors en général j'essaie d'en faire du lundi au vendredi, mais parfois j'ai carrément pas le temps me manque. Mais tu me retrouves assez régulièrement sur Instagram. C'est partagé automatiquement sur Facebook et je le partage aussi parfois sur YouTube, les guidances comme ça, les petites guidances quotidiennes. Pas toujours toutes, mais parfois oui. Voilà, donc là on t'annonce vraiment des surprises sacré féminin. Il y a de la douceur au niveau sentimental, affectif aussi, amical aussi, familial. Parce que quand tu as le désir de retrouver l'harmonie, ben, l'harmonie vient. Mais pour quand tu veux retrouver l'harmonie, c'est ressens d'abord l'harmonie en toi, fais la paix à l'intérieur de toi. Hein, la paix elle naît du cœur de chacun et de chacune. Donc là, on parle dans le duo de fidélité, de douceur, de bonheur, d'harmonie, d'évolution tranquille dans la paix, hein, de franchise aussi. On dit que les risques de conflit seront éloignés. Hein. Voilà, puis avoir une belle présence aussi féminine dans l'entourage du sacré féminin qui va permettre de sentir bien mieux, d'être à l'écoute aussi, qui apporte toute sa douceur, toute sa sagesse. Et on retrouve ça chez le sacré féminin aussi. Et regarde, hop, ce qui vient de sortir, c'est elle. Oh là là, et en fait, était collée juste derrière, parce que j'en ai eu deux, était collée juste derrière, et j'ai eu du mal à la sortir. Bien collée, le sacré masculin était collé bien derrière, tu vois. Voilà. Donc, et il était collé derrière quoi? Derrière la carte de la réussite. Voilà, le duo avance, le sacré masculin en fin de guidance s'invite dans la guidance du sacré féminin. Voilà, et le final c'est quoi? C'est la réussite quoi au bout. Marrant parce que je me suis dit, oh j'ai deux cartes, je vais en prendre qu'une. Puis je regarde quand même celle qui reste collée derrière et c'est le sacré masculin. Je fais, oh bah si, c'est bon. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil, c'est ton masculin qui te fait un petit clin d'œil. Il était caché derrière, il était bien collé derrière. Quand j'ai voulu la décoller, j'ai eu du mal à la décoller. Ça, c'est assez étonnant d'ailleurs. Voilà. Donc, ici, bah, notre constellation Ophiuchus, elle te parle de succès dans le duo, de succès sacré féminin, dans ce que tu souhaites réaliser. Parce que cette carte aussi, elle fait partie du groupe du commerce. Hein, voilà.
En tout cas, on parle d'harmonie à venir, de joie, d'amour. Alors d'un côté, voilà, d'un côté, il y a cette notion d'affirmation, cette notion de prendre confiance en soi pour le sacré masculin, pour permettre vraiment à la relation de s'épanouir, au duo de s'épanouir. En même temps, du côté du sacré féminin, eh bien, on a... eh bien, je l'ai perdu, mais ça va me revenir. Oui, cette notion... Et bien de croire en elle aussi, vraiment, de renaissance du sacré féminin qui vraiment avance, et de joie, de nouvelles et de surprises pour le sacré féminin. Il y a des visites surprises, des nouvelles surprises. Et ben lui, ça a été une visite, sacré masculin, il a fait une visite surprise dans le jeu du sacré féminin. Et elle était restée coincée. Je me suis dit, bon, je vais prendre que celle-là, j'arrive à la fin. Puis j'ai retourné quand même la deuxième. Et en retournant, j'ai dit, oh, ben le coquin, il était là. Ça, c'est le petit clin d'œil. Merci à toi pour ton écoute qui est allée jusqu'au bout de la guidance. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Merci.